Force de patience vaut une année de paix. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre le rendez-vous de la une des journaux sur National TV pour le compte de ce mardi 6 août 2024. Aujourd'hui, le calendrier des faisans annonce une journée placée sous le signe de Vaudon. C'est une journée qui sera favorable pour toutes les actions spirituelles, matérielles et physiques. Aujourd'hui, les couleurs rouges et noires vont plus porter de la chance aujourd'hui. Les natifs des signes Bélier et Scorpion auront plus de la chance aujourd'hui. Vous êtes fidèles chrétiens, vous allez lire le psaume 81, tandis que les fidèles musulmans liront la sourate 5. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, voilà ce que dit le calendrier des faisans avec la permission de mes réalisateurs Claude Arthur Toviazon et Sébastien Tchatcha. Nous allons donc devoir passer à la une des journaux. On va démarrer par le quotidien, le Béninois Libéré, qui s'intéresse à quoi? Évaluation des politiques et les institutions nationales 2023. Le Bénin, premier dans la sous-région, a mis le journal ce matin. Les réformes de talon ainsi récompensées, a mis le journal. Le Béninois Libéré dans sa livraison de ce matin. Lutte contre le terrorisme, surveillance des frontières. Un lot d'appareils d'observation offert au FAB, a mis le Cana. Toujours à la une, j'allais dire, ce matin, fête de l'igname à Goualand. Les innovations de la troisième édition sont à retrouver dans les colonnes du journal. Le Béninois Libéré dans sa livraison. Ah oui, de ce jour, l'emblème du jour qui parle quoi? Après la fixation des modalités d'acquisition des logements sociaux depuis 2022, à quand la réception du premier lot, s'interroge le journal L'emblème du jour dans sa livraison de ce matin. L'information, c'est bien évidemment l'emblème du jour qui en a parlé. Fermeture et militarisation des voies d'accès au site de la possession des masques sacrés et profanes. Un défilé des masques sans le public de Porto Novo a mis le journal ce matin. C'est bien sûr l'emblème du jour. Inauguration de nouveaux marchés d'Arwango à Porto Novo. La qualité et la modernité de l'infrastructure appréciée a mis le journal l'emblème du jour dans sa livraison, oui, de ce matin. Adjache News qui dit Festival des masques à Porto Novo. Une visite surprise de Patrice Talon à la place Migan a mis le journal ce matin. Grande effervescence sur les différents sites. La parade des masques a tenu toutes ses promesses, a mis le journal Adjache News ce mardi. Crise Bénin-Niger, Tiani parle de perspectives et de reprise et fixe les conditions. Toutes ces informations sont détaillées dans les colonnes du journal Adjache News dans sa livraison de ce mardi. Le chronomètre à présent s'installe pour mettre Festival des masques à Porto Novo, une organisation impeccable et festive, exclame le Cana ce matin. La complicité entre la mairie de Porto Novo et le gouvernement fait des merveilles, a titré le journal ce matin. C'est bien sûr le chronomètre. Festival des masques de Porto Novo, Nyankoti et Amandani unissent leurs forces pour honorer les cultures. Car Odire a mis le journal ce matin. Édition de compte dans les arrondissements de Semekodi. Christian Bankole, alias Ebi et Nambo mobilise Podi, centre et présente des doléances, a mis le journal ce matin. Détermination info qui s'intéresse à quoi? Remise d'attestation et don de kits alimentaires à Cotonou. L'ONG Grâce Éternelle poursuit ses œuvres humanitaires dans l'arrondissement de Adog l'État. Titre le journal de Eli Adileye ce matin. Cinquième édition de la Coupe. Des champions de Ouida, Sergino Adjanou mobilise trois nations autour du Cuiron, a mis le journal Détermination Info. Autre titre que nous propose le Cana ce matin. Match de football à Aziankou, Kodji, le président Aboko Ami opte pour les talents à la base, a titré le journal. En page 5, le Cana a détaillé l'information. Le patrimoine. Le journal d'Avrancou qui dit reddition de comptes dans les arrondissements d'Avrancou, de grandes mobilisations autour de la délégation gouvernementale, a mis le journal. Les populations satisfaites des réalisations de talons, elles réclament la construction des principales voies de la commune d'Avrancou, a mis en tout cas le journal. Le patrimoine avec la photo d'Augustin Amanvo-Ebla, le chef de la délégation Kouanou et le député Léon Bokové à sa une. Le leader du jour, Kimekoua, Festival des masques à Porto Novo, Pâté Stallon aux côtés des festivaliers, clap de fin, riche en couleurs hier dimanche. C'est ce que met le journal ce matin, vous avez envie d'en savoir plus. Mesdames et messieurs, le leader du jour en a parlé.
Le témoin actuel qui mène Destination Bénin via le patrimoine culturel. Le président Patrice Talon, une vision, un engagement, exclame le Cana, fait en apothéose du Festival des Masques hier à Porto Novo, a mis le Cana ce matin, c'est depuis dimanche plus tôt. Réussite du Festival des Masques de Porto Novo, Charlemagne Yankoti exclame, c'est le Bénin qui gagne. Wabi Amandani et la communauté Ekao Jire satisfait, a mis le Cana. Projecteur Info, l'ancienne ministre de Sofia et de Dr Sofia Tony Fale, voilà Baba Moussa. Talon est un homme de parole. Quand il le dit, il le fait. Il aime le beau, ami le journal. Ça, c'est les propos de l'ancienne ministre, Dr Sofia Tony Fade Baba Moussa. Les réalisations du gouvernement à Diarra passées au pain fin lors de la tournée de reddition de Comptami, le Cana. À la présidence du Bénin ce matin, le Cana titre, le gouvernement en congé dès ce lundi a mis le journal. Bon repos donc à toute l'équipe gouvernementale chapeautée par son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la revue ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. La réalisation, je vous l'avais dit, à l'entame que porte les griffes d'un duo ce matin, Sébastien Tchatcha, Claude Arthur, Toviazon, une fois encore, passez une excellente journée en compagnie de nos programmes. Le meilleur reste encore à venir. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.